Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les emplacements de tous les animaux. Donc les loups, les grenouilles, les sangliers et les poules. Alors, les meilleures chances de trouver des loups, c'est à Weeping Woods. Donc, vous avez des loups juste ici. Donc là, juste devant moi. Après, ils peuvent tourner. Ils peuvent être un peu plus par là, un peu plus par là, ou un peu plus par là. Mais bien souvent, il y a des loups qui se trouvent dans ces environs. Et regardez, il y en a même plusieurs. Souvent, de toute façon, les loups, ça se trimballe en bande. Donc là, vous en avez trois devant moi. Regardez, 1, 2, 3, voilà. Et quand vous tuez les loups, eh bien, vous obtenez de la viande. Donc faites gaffe parce que vous avez vu, il a voulu bouffer son propre pote. Hein. C'est pas des gentils quoi. Et donc vous obtenez combien j'ai eu. Je vais regarder combien j'ai eu. Alors si vous créez une rampe, les loups ne peuvent plus vous attaquer. Hein, regardez, ils ne peuvent plus rien faire. Ça, à part détruire, non même pas. Non, ils ne peuvent plus rien faire. Donc si vraiment vous vous sentez en danger contre les loups, eh bien vous créez une rampe et vous allez en hauteur et eux normalement ne pourront pas venir à moins qu'ils détruisent le mur. Ouais, ils sont en train de détruire un peu le mur, mais bon, ça va leur prendre du temps. Alors combien il m'a donné? Un loup te donne 3 morceaux d'os et il te donne 2 morceaux de viande. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter les poulets. Alors si vous cherchez des poules, ben regardez près de Pleasant Park, donc juste ici, je vais vous montrer. Juste ici, il y a plusieurs poules. Franchement, à chaque fois, il y a des poules à chaque fois que j'y vais. Donc, si vous cherchez des poules, ben, vous venez ici et vous tuez les poules. Alors, les poules, ça vous donne un os et ça vous donne un morceau de viande. Donc, voilà, ça vous donne un de chaque. Et franchement, il y en a pas mal. Par contre, faites juste attention à la gardienne, là, parce que celle-là, elle rigole pas. Et parfois, il y a même des sangliers ou des porcs. Ouais, je crois que c'est plus des porcs qui se trouvent... Ben voilà, qui se trouve là, regardez. Hop. Il y en a un là. Et parfois, il y en a même qui se trouve vers le vert là-bas et vers la montagne là-bas. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Hein. Quand vous venez ici, il y a des poules et il y a des sangliers. Regardez, là, il y a 3 sangliers. Donc là, je vais vous montrer un autre emplacement où il y a des sangliers à chaque fois. Donc c'est parti. Alors, pour les sangliers, ça se passe près de Colossal Crops. Donc juste ici, regardez, là, il y a un enclos. Et là, il y a toujours des sangliers. Donc là, on les voit pas. Voilà, là, on les voit. Il y a toujours des sangliers dans cet enclos. Donc, je sais pas pourquoi ils ont spawn à côté de l'enclos. Mais c'est sûrement parce que je suis en labo de combat. Mais en tous les cas, ici, il y en a toujours. Attendez. Quand on tue un sanglier, ça nous donne 2 d'os et 1 de viande. Et regardez, c'est juste ici, là où il y a la tache noire. Après, c'est possible qu'il y ait des poules aussi. J'ai déjà vu des poules traîner dans le coin. Bon, là, il n'y en a pas. Mais j'en ai déjà vu, en tous les cas. Et maintenant, ben, je vais vous montrer le dernier animal qu'il y a sur Fortnite, saison 6. C'est la grenouille. Je vais vous montrer l'emplacement où il y en a tout le temps. Alors, regardez, si vous cherchez des grenouilles, vous allez près de l'Azilec. Regardez, là, il y en a une. Il y en a une juste là. Alors, il y en a une là-bas. Vous voyez ? Enfin, là, elle bouge pas, mais voilà, vous avez vu, elle saute là. Donc, il y en a vraiment pas mal ici, de ce côté-ci. Il y en a même, j'en avais même croisé une. Donc, juste ici. Franchement, à partir de là jusqu'à là, vous avez au moins 3 à 6 grenouilles. Mais c'est tout le temps, de toute façon, les grenouilles, elles restent tout le temps près de l'eau. Donc, vous pouvez aussi en trouver ici. Moi, j'en trouve souvent aussi par ici. Donc, à partir de là, tout le ruisseau là, ici, j'en ai déjà trouvé. Après, je suppose que vous pouvez en trouver un peu partout où il y a des ruisseaux, en fait. Hein, parce que les grenouilles, elles restent tout le temps près de l'eau. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne quand vous tuez une grenouille? Je pense que ça donne rien qu'un... Bon, on va regarder, mais je pense que... Je tire sur une pierre, moi, j'ai flashé. Allez, essaye-toi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une poche puante. Donc, c'est un ingrédient de fabrication. Donc, voilà.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je vous ai montré tous les emplacements de tous les animaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile si jamais vous cherchez après un animal ou quoi. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.